C'est quoi être un juif? Est-ce que je peux vous prendre une minute? Non. Avec une question? Oui. Qui m'obsède? Oui. Qu'est-ce que c'est être juif en une minute? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas juif, alors je ne peux pas vous dire. Bah justement! Être juif? Oh là là, maintenant vous y prenez maintenant. Avec la caméra. Peut-être que vous devez poser la question à côté du soldat. Non mais c'est très difficile. Ça serait bien avec... Non mais écoutez, pour un chrétien, c'est très difficile de répondre à la question qu'est-ce qu'un juif? C'est rationnel. Parce que je ne peux pas vous dire autre chose. Pour moi, un juif, c'est quelqu'un qui a été rendu possible pour qu'il y ait des chrétiens. Pardon, vous pouvez répéter, je n'ai pas entendu. C'est quelqu'un qui a été rendu possible et nécessaire pour qu'il puisse y avoir des chrétiens. C'est Saint Thomas. Non, c'est pas Saint Thomas, je crois que c'est... La vision chrétienne de l'histoire. Ben oui, mais c'est pour ça que les chrétiens dépendent tous des juifs. Et c'est les capitales qu'ils le sachent. Comme on dépend de l'autre. Ah, moi, je ne veux pas dire que tous les juifs dépendent des chrétiens. Je dis que il y a des juifs. S'il n'y avait pas de juifs, il n'y aurait pas de chrétiens. Voilà. La dette. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.